Donc c'est Étienne Doll, je vous présente mon premier petit mec, mon petit Kayvan, que j'ai fait moi-même. Alors, mon petit Kayvan, c'est un humain qui vient du futur et qui est arrivé dans le présent pour accomplir une mission, je ne sais pas encore trop laquelle. Donc Kayvan adore le vert, le turquoise. Il est en couple avec Isana. Yoneko s'est séparé de Kayvan pour pouvoir aller dans le monde de Narquoisis pour retrouver sa sœur et se battre contre Helicris et Aurora. Donc il a perdu la mémoire à ce moment-là parce que Yoneko l'a rendu amnésique justement. Donc par la suite il a refait sa vie et il a rencontré Isana. Ils sont amoureux depuis un petit moment déjà. Alors, on voit le make-up de Kayvan que j'ai fait avec ce qui ressemble à un cas. Normalement, il devait pas avoir ça, mais comme mon crayon a dérapé, je trouvais ça cool et du coup, je dis bah tiens, je vais faire un cas. Ses yeux sont de moi, il porte une wig fur noire, aquarelle, il porte l'outfit du Koichi. Des petits accessoires, les menottes, parce que Kayvan est un petit maso, donc c'est le clin d'œil à ce qu'il est vraiment. Et voilà, mon premier petit gars que j'ai eu en janvier 2015. Ensuite, voilà. Ma petite poupée démoniaque, la petite Helicris. Donc Helicris, à la base, c'était aussi une pulipe. Pas une pulipe, une Angel Gate, que j'avais maquillée. Et par la suite, je l'ai refaite en pulipe. Parce que ça me saoulait qu'elle avait pas les yeux qui bougeaient. Donc, ben c'est ma petite Helicris. Alors, le maquillage. Et de moi. Elle a une wig mohair de chez Natroom, les yeux que je lui fais aussi. Donc Helicris Well, c'est la fille d'Aurora et de Melchios. Son anniversaire c'est le 3 juin. C'est Helicris qui a transformé Lilou en poupée zombie de cire et de sang. C'est sa plus belle pièce de sa collection. Son hobby à Helicris est de collectionner des trophées, si on peut dire, vivants, qu'elle transforme en poupée morbide. Elle avait eu Tatiana, qui était sa servante, et celle-ci a eu la tête explosée sous un coup de colère de Menzel Helicris. Et du coup, il est devenu sa nouvelle proie. Un peu foufolle, mais elle a vachement la classe. Elle porte aussi une partie partielle de l'outfit de la Wilhelmina. Elle a aussi deux sœurs à présent, la petite Réglis et Ruby. Ensuite, j'ai eu la tulipe Aurora qui porte le même nom, Aurora Well. Alors, Aurora est la mère d'Helicris. Donc elle porte une wig argentée. Elle garde ses yeux stock et son maquillage stock. Donc Helicris est arrivée à la maison le 4 juin 2015. Elle ferait tout pour sa fille Helicris. Et récemment, elle a eu la petite Réglis. Aurora est une sadique, comme sa fille d'ailleurs. C'est aussi la femme, la l'une des femmes de Melchios. Et elle tient aussi un club SM. Darek est aussi son amant. Et d'autres démons de tout genre.
elle est quand même assez puissante. Pendant ce temps, Mimouche dort.